Bonjour à tous, bienvenue au deuxième sommet francophone de la migraine. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder en direct des quatre coins du monde. Je suis ravi de vous retrouver pour la deuxième année consécutive aux côtés de Sabine de la présidente de la voix des migraineux. Bonjour Sabine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Quelle est la première chose que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent et nous écoutent alors je suis très heureuse de vous retrouver pour cette seconde édition du sommet francophone de la migraine. Tous les retours que nous obtenons sur les, les réseaux et les questions qu'on a des journalistes et tout montrent qu'il y a encore un gros travail de sensibilisation pour améliorer le parcours de soins et la reconnaissance de la migraine. C'est tout l'enjeu de ce second sommet. Et le premier sommet a été un, un succès. Hein. Vous avez été plus de 6000 à nous regarder en direct ou en replay, sans compter les milliers de vues des différentes vidéos. Cet événement a été un accélérateur, à plus d'un titre, dans la reconnaissance de la maladie, tout d'abord. En effet, nous avons obtenu des centaines, même <laughs> oui, des centaines de retombées dans la presse euh, écrite, radio et télé. Euh, cela a permis aussi aux patients d'en apprendre plus sur leur pathologie, de se sentir reconnus comme malades, de, re de connaître la réalité médicale de la maladie. Cela a aussi permis aux soignants de compléter leurs informations sur la migraine et de partager leurs expériences. Et on le rappelle, hein, selon l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, la migraine est la deuxième maladie la plus invalidante au monde. Oui, la, seconde, enfin, la, la deuxième maladie la plus invalidante au monde, mais aussi la première pour les femmes. Le problème, c'est qu'elle est toujours minimisée, minorée, et nous avons encore un, un gros travail à faire pour la reconnaissance de la migraine. Alors ce sommet a aussi été un accélérateur pour la reconnaissance de, de l'association. Où en est aujourd'hui la voix des migraineux alors nous avons constaté une, une augmentation notable du nombre de nos adhérents, du nombre de nos followers sur les réseaux sociaux. Nous recevons régulièrement des messages de gratitude. Cela a renforcé notre légitimité pour agir auprès des pouvoirs publics, des personnels médicaux. Nous sommes de plus en plus souvent invités à des congrès ou à des groupes de travail. Vous nous rappelez à qui s'adresse cette association cette association s'adresse aux 45 millions de migraineux francophones, dont 10 millions de migraineux français. Quels sont les, les objectifs de cette association D'abord, je voudrais dire que la gratuité est une des valeurs essentielles de l'association. Nous ne voulons laisser personne sur le bord du chemin. Parmi les objectifs, on retrouve l'ambition de soutenir les malades, de les informer de sensibiliser le grand public et les autorités. Nous voulons aussi agir. Et sur ce dernier point, vous en êtes où alors euh, Nous voulons agir pour la reconnaissance de la maladie, la reconnaissance du handicap que représente la maladie, pour obtenir de, de nouveaux traitements. Malheureusement, pour l'instant, euh, les nouveaux traitements spécifiques de la migraine sont remboursés dans... 24 pays d'Europe. Au bout de trois ans, nous n'avons toujours pas obtenu le remboursement en France, en dépit de toutes les démarches que nous entreprenons. Euh, alors justement, parlons de ces démarches et de ces actions que vous avez menées dernièrement pour faire connaître la migraine et puis aussi à améliorer sa prise en charge. Alors nous avons mené plusieurs campagnes de presse. Nous avons répondu aux nombreuses questions des journalistes qui, pour la plupart, découvraient la gravité de la pathologie. Ils ont montré beaucoup d'empathie, mais il faut continuer. Les articles contribuent énormément à la sensibilisation de la, euh, sur la pathologie. Vous avez aussi mené euh, des grandes enquêtes dans le but de recueillir aussi des données euh, statistiques et objectives. On va en parler de, de ces enquêtes parce qu'elles sont vraiment importante et édifiante. La première enquête d'abord sur l'impact de la migraine sur l'emploi qui montre le handicap invisible qu'elle représente dans le monde de l'entreprise. S'il fallait retenir quelques chiffres, Sabine, sur cette enquête. Alors les conditions de travail sont inadaptées à ce handicap invisible. Une personne sur dix n'a pas accès, n'a pas la possibilité de se reposer sur son lieu de travail le temps que le traitement de crise lui permette de reprendre ses activités. Seulement 8% des employeurs acceptent des aménagements au travail. Travailler a aussi un impact sur la, migra sur la vie privée pour les migraineux. Une personne sur cinq migraineuses subit une perte de revenus. Une personne sur trois prend des risques en conduisant pour aller au travail. Euh, Jusqu'à perdre son emploi, à force de crise, de maladie, certains perdent leurs emplois. Et une personne sur trois sans emploi n'a aucun revenu et déprend ses proches. Ouais, des chiffres vraiment édifiants qui montrent la nécessité d'agir, et vous pourrez retrouver d'ailleurs les résultats complets de cette étude sur le, sur le site, la, la voix des migraineux. Autre enquête, cette fois-ci sur le parcours de soins du patient migraineux. Que vous disent les personnes interrogées Alors, en premier, le premier mot qui leur vient, c'est parcours du combattant. La seconde expression, c'est complexe. Tortueux, tellement c'est compliqué d'être pris en charge correctement. Et la troisième expression, c'est le sentiment d'abandon et de solitude tout au long de ce parcours. Ouais, les mots sont, sont forts et cette errance diagnostique, elle commence à l'adolescence, parfois même avant, et elle peut durer très, très, très longtemps. En effet, en moyenne, les répondants ont eu leur première crise, les premiers symptômes vers 16 ans, parfois bien avant. Par contre, le diagnostic a été posé 7 ans et demi après, voire 15. Les... <coughs> Ils ont eu leur premier traitement de crise vers 23 ans, c'est-à-dire 7 ans après. Ils sont restés donc 7 ans sans connaître leur diagnostic et sans avoir de traitement adapté. Ouais, trouver le bon traitement, c'est une longue quête. Hein. Alors, en vie entière, en moyenne, les répondants ont testé... 5 traitements de crise et 5 traitements de fond, parfois beaucoup plus. 44% des patients déclarent qu'ils qu n'ont pas reçu suffisamment d'informations lors du premier diagnostic. 78% déclarent que le médecin ne semblait pas bien informé sur leur pathologie. Hum. Et puis il y a aussi euh, cet autre chiffre euh, très parlant, 70% des patients ont perdu 21 jours, un 21 jours de productivité sur, euh, sur, sur 3 mois. Euh, vous avez euh, décidé pour ce deuxième sommet euh, d'aborder euh, en profondeur la migraine de l'enfant. Euh, pourquoi ce choix bah, Tout d'abord parce que nous sommes nombreux à avoir été enfants migraineux, mais aussi... Parce que de nombreux patients nous rapportent leur, leur détresse, le manque de reconnaissance et les difficultés à trouver un médecin qui connaisse la migraine de l'enfant. Les, les témoignages sont révoltants et il nous a semblé important de faire connaître la migraine de l'enfant, de faire passer le message aux soignants que oui, ça existe et qu'il y a des traitements pour la migraine de l'enfant. Nous parlerons aussi des, des migraines avec aura. Alors. J'en souffre et nous sommes euh, un sur cinq à en souffrir. La migraine avec aura, c'est comme rentrer dans un monde parallèle. Imaginez-vous en conduisant avoir des étincelles, des petites étoiles qui surgissent devant vos yeux. Imaginez-vous en discutant commencer à bafouiller, perdre vos mots, devenir aphasique. C'est extrêmement angoissant, déstabilisant. Et les proches, l'entourage, a parfois l'impression que vous êtes ivre. Nous a semblé très important de faire connaître cet aspect de la migraine euh, au grand public et d'apporter des compléments d'information aux malades parce que c'est tellement angoissant que. Et, et on terminera par les perspectives de traitement. Alors oui, dans l'association, nous avons comme credo de donner des informations fiables, d'une grande qualité et actualisées. Mais nous voulons aussi donner de l'espoir en donnant des informations du futur, démontrer que la recherche avance et qu'on on n'est pas sur un point d'arrêt. On cherche encore pour la migraine. Et on va recevoir dans ce, dans ce sommet trois grands spécialistes et vous teniez à, à les remercier, Sabine. Alors je tenais tout particulièrement à remercier le docteur Ave Couturier, le professeur Pim et le professeur Schoenen pour le temps et l'énergie qu'ils ont consacré gracieusement à la préparation de ce sommet. Un grand merci à vous. C'est le moment de conclure avec Sabine. Sabine, le professeur Schoenan évoquait à l'instant les perspectives de traitement. Certains sont remboursés en Europe. Mais on le disait, toujours pas en France. C'est l'un de vos grands combats depuis plusieurs années et il se poursuit. Le 23 septembre 2022, nous aurons 4 ans. À ce moment-là, puisqu'on n'arrive pas à obtenir ce remboursement, nous lançons la campagne Est-ce qu'on ne marche pas un peu sur la tête Puisque les remboursements ne sont pas remboursés en France alors qu'ils le sont dans 24 pays d'Europe. Quand est-ce que la souffrance des migraineux français sera telle entendue et on verra donc euh, cette affiche un peu partout en France et même euh, dans tout le, le monde francophone. Euh, Sabine, on arrive au terme de ce deuxième sommet. Un dernier message à faire passer à tous ceux qui nous ont regardés cet après-midi ou qui vont nous voir en replay dans les prochains jours. Alors, nous, depuis quatre ans, nous nous battons sans relâche pour la reconnaissance de la migraine et la prise en une meilleure prise en charge. Euh, dans le public, la connaissance avance, mais ça ne suffit pas. Il faudrait vraiment que les autorités se mobilisent pour améliorer la prise en charge et les traitements de la migraine. Mais chacun peut faire quelque chose pour améliorer la vie des migraineux. La plupart des migraineux sont photophobes, phonophobes, ça veut dire qu'ils ne supportent pas le bruit ou la lumière. Chacun peut, en diminuant la lumière, en baissant la musique, améliorer la vie des migraineux. Et en plus, ça fait des économies, c'est écologique. <laughs> Donc, tous en se mobilisant, on va y arriver. On va réussir à faire reconnaître la, malade, la migraine comme une vraie maladie neurologique qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on lui offre des traitements. Merci Sabine pour ces messages. Merci pour ce combat. Merci à votre association, à tous les bénévoles, merci aussi euh, aux partenaires, merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce deuxième sommet. Le replay sera bientôt en ligne, vous en serez informés euh, par mail. Continuez à suivre la vie des migraineux sur son site et sur les réseaux sociaux et à vous mobiliser pour faire avancer euh, la reconnaissance de la maladie et la prise en charge des médicaments. Excellent week-end à tous. Au revoir.